שיעור לנשמת זרי בת זרדה, רב אליהו בן טובה בעיה, רב סעדיה בן חינה חנה, שרי שלמה בן מרים, יעקב שלום בן רחל, לרפואה שלמה רב משה בן זרי, מסונה בת רחל, עניינה חיה בת רוזין רוחמה, חיה נאוה בת רחל, אביחיה בן עישה, נאורי מאיר בן מזל, רבקה בת רייזל, רב גד בן אסתר, ניסים רפאל בן נטלי רבקה, ז'קי בן עידה, שאול בן שרה, אברהם אלבר בן מיכל משלין, בן מיכל זוהר המשלין, אחיה אסתר בת חנה בתור שער חולם ישראל, חפץ חיים כלל ג' אות ד', איסור סיפור לשון הרע הוא, אפילו אם אינו מבאר בעת הסיפור את האיש שהוא מדבר עליו. Même si tu parles pas, tu dis pas sur qui tu parles vraiment. רק הוא מספר סתם. Je connais un gars, je connais quelqu'un, il fait ça, il fait ça, il fait ça. מתוך עניין הסיפור, נשמע לשומע לזה איש כיוון המספר הזה. Le truc c'est que quand tu racontes ton histoire, tout le monde va comprendre que tu parles de Reuven. Moi je connais quelqu'un, nanana nanana nanana. Et tout le monde sait que c'est de Reuven que tu parles. On a compris par rapport à ce que tu dis. Bichla la shonara. Est-ce qu'on peut dire que j'ai pas fait de la shonara, j'ai pas dit qui c'est? On a compris c'était. Ça s'appelle la shonara. Mais au terme. Shafilu im bedivrei sipuro lo haya shum inyan gnai klal. Même si dans ton histoire tu l'as pas fait de gnai. Rak shal yedei dvarav nisvav ra'a ognut la chavero. C'est juste que par tes paroles il va y avoir un gorem de gnaï va misaper azin kaveneze beramauto, et celui qui a raconté de la shonara, il n'a pas été, il était mis de kaven de faire du mal, mais d'une façon détournée. Donc vraiment, il n'a pas dit du mal, mais c'était pour engendrer du mal. Gamze bichlal la shonara, vedavarzin ikra bifir chazal bechem la shonara betzina. Alors on est daf sa mère et amudalef à la deuxième ligne tout en haut. Donc on a vu que la femme elle peut sortir avec morche et beozna, du coton dans l'oreille. Taner Rabbi Rami Bari Cheskel veu chez kashur beozna, il faut qu'il soit attaché. Donc apparemment d'après Rami Bari Cheskel on parle pas d'un coton qu'on enfonce dans l'oreille, parce que ça peut pas être attaché, mais on parle d'une sorte de pansement. Le pansement pour pouvoir être sûr qu'il va pas tomber et que tu vas le ramasser, il faut qu'il soit attaché. Ou be morche be sandala, pareil pour une sorte de semelle qu'elle mettait dans les sandales. Tane Rami Bari Cheskel veu chez kashur la be sandala, il faut que ça soit accroché. Ou be morche et tkina la lindata, un mort qu'elle a mis pour sa nidoute, pour pas que le sang coule. Savar Rami Bari Cheskel bimar veu chez kshura la ben yichotea, aussi il faut qu'il soit attaché. Amaraba, falpi sheno kashur la, qui lui dit même s'il n'est pas attaché, s'il tombe, il ne ramassera pas. Pourquoi? Parce que c'est plein de sang. Et donc, elle ne ramassera pas le mort. Qui vend des maïs lo atil et touille, elle ne va pas marcher avec. Baimine Rabbi Irmia Mir Rabbi Abba, hasta la betiad maou. Si maintenant il y a un tissu qui sort, comme il y a dans les edim, un betiad, c'est-à-dire avec quoi on peut l'attraper sans toucher le sang. Est-ce que là on va être recherche que peut-être qu'elle va le porter ou pas? Marli moutard, même ça c'est moutard. Itman ami Amar Rav Nachman Bar Hoshaya, Amar Rabbi Yochanan, hasta la betiad moutard. Très bien. Rabbi Yochanan Afik Baou, Rabbi Yochanan mettait du coton dans les oreilles. Les Bemidrasha, Vechaloukim Alav Chaverab. Ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ce n'était pas attaché. Rabbi Yana Inafikbo, le carmélite, il marchait dans le carmélite avec aussi un pansement dans les oreilles. Vechaloukim Alav Koldoro, tout le monde était cholèque sur lui. Et on a dit, va Tanir Rami Bari Cheskel, Veu Shukashur la Beozna, pourtant Bemet. Rami Bari Cheskel, il a dit qu'il faut que ça soit attaché. Alors pourquoi il sortait sans que ce soit attaché? Là, on a dit, Lokashia. Ademiadak, Ademiadak. Ça dépend si c'est enfoncé à l'intérieur de l'oreille. Si le coton tu l'as rentré à l'intérieur, tu l'as enfoncé, alors l'inachilami il va pas tomber. Et donc c'est pour ça que tu vas sortir comme ça. Par contre, s'il n'est pas meoudak, s'il n'est pas bien enfoncé, il y a un khachash qui va tomber. Alors juste en ce qui concerne le mort. Alors le mort d'Achouk Bemet, c'est une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de sortir avec Shabbat ou pas, avec un mort d'Achouk? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Rachid nous a dit à quoi servait ce mort. C'était pas pour savoir s'il y avait du sang ou pas. Hein. Le mort d'Achouk, c'est pour savoir s'il y a du sang ou pas, pour être sûr qu'elle peut commencer ses Shevanikim. Là, Rashi nous parle d'autre chose. Ça fait plus référence à une serviette hygiénique, puisque il y a marqué dans Rashi, Ayudor, comment c'est marqué, Mechila, voilà. Non, je ne me rappelle plus où c'est que j'ai vu ça. Ah voilà. L'inidata beotomakom shivla bo adam velo etanef begadea. Donc Rachid te dit qu'elle mettait ce mort pour pas que les habits se salissent.
Mais tous les Rishonim demandent, et on en a déjà parlé hier, c'est assourd. C'est-à-dire que mettre quelque chose pour protéger tes habits, ça s'appelle porter. On a eu ça avec le kiss chez le Zav. Le Zav, il veut mettre un kiss, il n'a pas le droit de sortir avec. C'est juste pour ne pas se salir. Donc ici aussi, c'est pareil. Comment ça peut être moutard de sortir avec ce mort? Et l'équivalent aujourd'hui, c'est les serviettes hygiéniques. Les femmes, quand elles ont leur règle, elles mettent une serviette hygiénique. La question a été posée au poskim. Ils disent, ça dépend. Si elle met la serviette hygiénique juste pour ne pas salir les habits, alors il sera sot. Et c'est caché sur Rashi. Et peut-être que le pshat dans Rashi, c'est que ce n'est pas que pour ça. C'est-à-dire que si Bémet, elle met la serviette hygiénique pour ne pas que le sang coule sur ses jambes, et pour ne pas qu'elle se salisse, pas pour les habits, pour elle-même. Alors, une khinamis, ça fait partie de. C'est comme un béguet. Tu mets des habits, des fois, pour pas te salir. Donc là, c'est bon. Mais si c'est pas pour salir tes habits, alors là, c'est à soi. Il faut faire attention quand on met. Pour les femmes qui mettent des habits génétiques, il faut vérifier que Bémet, c'est fait pas seulement pour pas salir les habits. Mais pilpel ou begilgal, melach. Donc, pilpel et réachapé, elle mettait du pilpel pour avoir une bonne odeur dans la bouche. Galgal melach, les dourchini pour soigner les rages de dents. Le pilpel, ça sent pas bon. Je sais pas comment ça marche, tu as raison. Je sais pas. Khazak. Le chol d'avar chenotene des torpia. Alors, mettez des choses dans la bouche pour avoir une bonne haleine. Qu'est-ce qu'elle mettait? Zanguila, du gingembre. O inami et d'artsuna, c'est du kinamon. C'est comment ça s'appelle le kinamon? Le kinamon, c'est pour faire les gâteaux. Bon. Chen Totevet, Chen Shelzaav, une fausse dent en or, Rabbi Matir, Khamim Osrim, Machloket, est-ce que c'est moutard ou pas de sortir avec dans la rue, Amar Abizera, le Chanou et là, Shelzaav. Tout ce qu'on a enseigné, la Machloket, c'est quand c'est en or. Aval Shel Kesef, Divra Kol Moutard. Mais si c'est en argent, d'après tout le monde, c'est moutard. Alors c'est quoi le pshat? C'est que les gens, ils vont rigoler. Et Rachid dit, oui, mais quand c'est en argent, là, ben, on ne voit pas que c'est une dent différente. Donc les gens, ils vont moins rigoler. Ok. Le problème, c'est qu'il y avait un autre chat. C'est que peut-être qu'elle va, elle va tomber. Alors, on va voir. Tania Namiachi, Bechel Kesef, Jivra Kol Moutar, Shazav, Rabbi Matir, Mechem Mosrim. Ok. Alors, d'après ceux qui pensent que le problème dans la dent en or, si elle tombe, elle va la porter, c'est pas valable dans une dent en argent, parce que l'argent, apparemment, c'était moins valeureux, ça vaut moins cher, et donc, elle va la laisser par terre. Amar Abaye, Rabbi Rabbi Ezer, Rabbi Shimon ben Elazar, Kulu Sviralu, Dechol Mide de Migania Be, Lo Atelachvouye. À chaque fois que il y a des choses que c'est un gnaï pour toi, c'est-à-dire que tu as honte de l'avoir, une dent en or. Donc là, il n'y a pas de rachage que tu vas l'enlever. Pour les filles, pourquoi on met les dents pour qu'il n'y ait pas avoir rachage des dents? Ouais, mais pourquoi? Mais en or. Et alors? On met pas des dents en or pour faire joli. Pourquoi? C'est quoi le rachage que peut-être tu vas avoir honte, tu vas l'enlever, après tu veux le porter dans la rue, d'accord? Non, c'est pas que tu vas avoir honte quand on va se moquer de toi. Ok, alors quand on va se moquer de toi, tu vas l'enlever, tu vas le porter. Alors, tu vas avoir encore plus honte parce que tu vas avoir des trous là. Tu préfères pas avoir des dents ou des dents en or? Des dents fois... en or. Pourquoi t'as acheté la dent là pour pas avoir des trous? Ouais, mais des fois quand tu ouvres pas beaucoup la bouche, on voit pas le trou. Mais l'or, on le voit direct. J'entends ta question, c'est une bonne éhara. C'est une très bonne éhara. Alors il dit, tout ce qui est Mishum Gnai, on n'est pas recherche que tu vas le porter. Parce que justement, tu vas vendre. Rabbi Adamran, Rabbi, c'est ce qu'on a vu, que Rabbi les matire de sortir avec une dent en or. Rabbi Lézer de Tania, ouais, c'est-à-dire que n'est pas recherche que tu vas l'enlever pour la montrer, c'est un gnaï de montrer un truc pareil. Ça répondrait un petit peu à ta question, tu entends? C'est pas que on va se moquer de toi, c'est que tu vas dire à ta copine, regarde ma dent en or, tu vas pas montrer, c'est un gnaï. Ça, c'est notre Mishnah. Rabbi Lézer, on avait vu le truc pour sentir bon. Les femmes, elles vont pas montrer le collier qu'elle a pour sentir bon, parce que si elle a un collier pareil, ça veut dire qu'elle sent mauvais. Donc, c'est un gnaï. Et même si la chaîne elle est en or, même si on peut faire de ça un bijou, Rabbi Lézer, il est matière. Rabbi Lézer de Tania, Rabbi Lézer Poter, Bekovelet, le chapeau, ou Betzluchit Shel Paliaton, que c'est moutard carrément. Donc là, il dit Poter, parce que c'était sur Rabbi Meir. Rabbi Meir, il était que c'était Chayam Khatat.
Mais Rabbi Eliezer, il est matière. Et Rabbi Shimon Elazar de Tanya, Klalama Rabbi Shimon Elazar, Kolchiou le Mata Minasvacha, tout ce qui est en dessous du bonnet, du Kisou, Yotza, Bo, le Mala Minasvacha, et Nayotza Bo. Donc tout ce qui est au-dessous, c'est un gnaï de l'enlever, parce que elle va se découvrir la tête. Donc c'est pour ça que tout ce qui est un gnaï, à chaque fois, on n'est pas recherche que tu vas l'enlever. Ok. Merata Mishnah. Yotza Besela Shalat Sinit. Sinit, c'est quand, avec le froid, des fois, ils peuvent avoir des blessures aux pieds. Alors, pour guérir cette blessure, elle mettait une pièce. Ok. Ça peut être un homme, hein, c'est pas d'Afrique, une femme. Donc, il mettait une pièce sur le pied, imagine sur le talon. Et est-ce que tu as le droit de sortir avec Shabbat? Alors, tu mets ta chaussure, et dessous, tu as dessous, entre, dans la chaussure, tu as une pièce. C'est moutard ou pas? Moutard. Yotza Beselach Elat Sinit. Elle a le droit de sortir avec. Abanot Ktanot, les jeunes filles, qui n'avaient pas encore assez d'argent, elles n'étaient pas assez grandes pour qu'on leur mette des vraies boucles d'oreilles. C'était petite, mais on leur avait déjà fait des trous. Yotzot bichoutin. Alors comment on fait pour que le trou il se recolle pas? On mettait un fil à l'intérieur. Elle a le droit de sortir avec ce fil. Va filou bekismin shivoznem. Mais même des fois on mettait pas un fil mais un kessam, une sorte de petit morceau de bois. C'était moutard. Alors pourquoi on leur faisait déjà les trous dans les oreilles si elles portent pas des boucles d'oreilles? Parce que des fois pour une occasion on leur mettait des boucles d'oreilles, mais pas tous les jours. Donc quand on leur enlevait les boucles d'oreilles, il fallait mettre quelque chose. Araviot, les femmes juives qui habitaient dans les pays arabes, Araviot, Yotzot Reulot, elles sortaient avec le tchador. C'est-à-dire qu'elles avaient, étant donné que c'est le Minagamakom là-bas, avec le foulard complètement enroulé au-dessus de la tête, on voyait que les yeux, que le visage. Medaillot, les femmes de Madaï, Proufot, elles sortent avec une cape Proufot. C'est quoi Proufot? On va voir. La dame, en fait, c'est tout le monde, l'Avdavka de Madaï. Chez l'Odibou Khamim Behové, c'est juste qu'on a parlé Behové. Alors, c'est quoi Proufot? Très méchoubad. Alors, ça, imagine une cape, un manteau, avec des pans, c'est-à-dire qu'il y a comme une écharpe. D'accord? Imagine, tu mets une écharpe autour du cou. Des fois, avec le vent, l'écharpe, elle va s'envoler. Alors, comment on fait pour que l'écharpe, elle reste en place? Ils attachaient à un côté de l'écharpe une pierre, quelque chose de lourd. Une pièce, et hop, elle mettait de l'autre côté, et grâce à ça, ça restait en place. Est-ce que tu as le droit de sortir avec ce truc qui est attaché à ton écharpe? Bah oui, parce que c'est très l'acte de l'écharpe. Il y a fait mais homme. Pour effet à la évène, elle peut attacher avec une évène, vers la égose, une noix, vers la matbea, une pièce, ou bilva, chilo, tifrov, le chatechila, le shabbat. Mais tu n'as pas le droit d'attacher pendant shabbat, c'est-à-dire que tu fais ça à Erev Shabbat. Ok. Mais la noix, peut-être, c'est pas un peu sourd parce que peut-être la noix, si elle veut voir en plein milieu, elle part dans la rue et elle se loin plein de la maison, elle veut un peu manger. Elle enlève la noix. Mais on n'est pas recherche. Mais on verra un autre cas de figure, tu vas voir. On verra ça tout à l'heure. Une pièce, une pierre, ok. Mais... Moi, j'aurais pensé que tu te poses une autre question. Comment on peut faire ça avec une pierre? Une pierre, c'est mouktsé. Mais c'est très l'aigle de l'écharpe, tu vas pas enlever la pierre. C'est mouktsé la pierre. La pierre c'est moutée, oui, mais quand c'est dans l'écharpe, l'écharpe c'est pas moutée. Non, c'est un béguet. Mais la pierre c'est relève du béguet. Ok, très d'accord. Bref. Maït Sinit, alors on attaque la Gemara. C'est quoi Tsinit? Bat Ara. C'est une maladie. Bat Ara. Au Maïchna c'est là. Pourquoi on met Davka une pièce? Il est ma colmidédé couché mal et là. Si c'est parce qu'il y a de l'argent dedans. L'argent ça fait du bien à la peau. Il y avait de la chaspa. Non, pardon. Si c'est parce que c'est dur, parce que c'est dur la pièce, ça fait du bien aux pieds, alors fais un morceau d'argile, dur. La vie de la chaspa. Et la meshoum shurta. Alors non, parce que c'est l'argent. Hein? C'est-à-dire que le frottement avec la peau, l'argent, ça fait du bien. La vie de la tassa. Alors tu n'as qu'à faire une. Tu n'as pas besoin d'une pièce, tu fais une plaque en argent. Et la meshoum tsurta. Alors sur une pièce, il y a la tsura. Le bonhomme qui est dessiné sur. Peut-être que c'est la tsura qui fait du bien. Il y avait de la poulsa. Alors tu n'as qu'à faire une tsura sur du bois, tu n'as pas besoin de faire sur une pièce. Amar abayeshma mina kuluma lina. Donc machma que en fait, il faut une pièce parce qu'il faut et la tsura, et que ça soit dur, et que ça soit en argent. En argent. C'est ça qui fait du bien au pied. Il y a des questions qui posent. Alors pourquoi c'est pas Avodazara? Il y a une tsura. Parce que c'est pas la tsura que je me confère. La tsura, elle fait du bien parce qu'il y a apparemment du relief. C'est ça qui fait du bien. Abanot yotzot bechutin. Les banotes, elles sortent avec les filles. Avoid et Shmuel, le shavik leu, les bnate.
la voix de Shmuel, il ne laissait pas ses filles des nafik bichoutin. Donc le père de Shmuel, il ne laissait pas ses filles sortir avec les choutin Shabbat. On va voir pourquoi. Velo Shavikliu Ginyan Gabé Adadé, il ne laissait pas dormir ensemble. C'est des sœurs. Il ne laissait pas dormir ensemble. Elles ne dormaient pas ensemble, les filles de Shmuel, dans le même lit. À l'époque, ils n'avaient pas de pyjama, donc ils dormaient toutes nues. Donc on va voir pourquoi il ne les laissait pas dormir ensemble. Ve avido mikvot beyom nissan, il leur faisait des mikvot en nissan, ou mavtse beyom tishrei, et en tishrei, pour qu'elles aillent se tremper, il leur faisait des tapis, un tapis pour pas qu'elles marchent dans la boue quand elles rentrent dans le mikvé, un tapis en canis. Ok, alors on va expliquer chaque chose. Première chose, c'est notre sugya, lo shaviklu yotzot bechoutin, il les laissait pas sortir avec les fils dans les oreilles. Pourquoi? Arrête, dans notre Mishnah c'est marqué que c'est moutar. Pourquoi c'est assur? Pourquoi d'après le père de Shmuel c'est assur? Elle m'a répondu, elles avaient des fils de couleur. C'est-à-dire qu'en deux mots, elles étaient plus perfectionnées. Pas de stam des fils de couleur. Peut-être que les fils de couleur, elles vont le montrer à ses copines. Ou d'après d'autres rishonim, on avait peut-être un problème de chatzitsa, parce que des fils de couleur, ils sont toujours plus épais. Et peut-être que là, quand elle va aller au mikvé, ça va faire chatzitsa. Donc c'est pour ça qu'il ne laissait pas dormir, il ne laissait pas sortir avec Shabbat. Parce que les filles étaient de couleur. Pourquoi il aurait permettre de sortir avec des filles noires? Une achidami, mais ils avaient des filles de couleur. On ne va pas enlever le fil que pour Shabbat. On ne va pas changer de fil. Ouais, tu as raison. Alors, de toute façon, il a enlevé le fil pour sortir. Mais pourquoi mais on ne met pas un autre fil à la place? Tu attends Shabbat. Le Shavikleu Genyan Gabé Adadé. Ils ne les laissaient pas dormir ensemble. Ma pitom. Pourquoi ils n'ont pas le droit de dormir ensemble? Laïma, Messiali Ravuna. Est-ce que ça vient aider le dîme de Ravuna? Dama Ravuna. Nashima Mesolelot Zobazo. Que des femmes qui dorment ensemble et qui se frottent l'une contre l'autre. Alors ça crée une sorte de tachmiche. Comme si c'était un tachmiche avec un homme. Mais c'est deux femmes. Et ben c'est Posolot Otan La Kiuna. Ça les rend Psolot La Kiuna. Pourquoi? Parce que finalement, c'est comme si elles étaient plus bétoula. C'est comme si elles avaient eu un rapport, pas avec un homme, mais avec une femme. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il interdit ses filles à dormir ensemble. Parce que quand elles se frottent l'une contre l'autre, ça crée une sorte de tachmiche. Et le Kohen Gadol ne peut se marier qu'avec une femme bétoula. Et donc, même si Rachid explique qu'il n'y avait pas de Kohen Gadol au temps de Shmuel, néanmoins, on voit ici qu'il y a un gnaï. Donc, il ne voulait pas que ses filles fassent ça. Là, il a dit, la grande dit, c'est pas parce qu'il est d'accord avec Ravuna. Il restait bétoula. Chazak, Badek est resté bétoula. Mais néanmoins, ça créait une sorte de Rachidi, une sorte de znout. Et donc c'est pour ça qu'il y avait ici un problème de bétoulim. Les garçons qui dormaient ensemble, les deux frères. Pareil. Alors la Gemara a dit, est-ce que c'est à cause de ça que Shmuel interdisait à ses filles, enfin le père de Shmuel, pardon? La Gemara dit, ça va, Kichidololilfan Gufanucha. C'est pas à cause de ça, mais presque. C'est pour pas qu'elles apprennent la chaleur d'un corps. C'est-à-dire que Rachid il explique, Goufanoucha, ne pas avoir le contact avec un corps étranger et de voir que finalement la chair de quelqu'un d'autre peut lui procurer du plaisir et d'avoir envie d'avoir un tachmich avec un homme. Donc c'est à cause de ça qu'il interdisait à ses filles de dormir ensemble. Comme il a regardé. Vavidou mikvé biomé nissan, et il leur faisait un mikvé en nissan. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Les filles de Shmuel, déjà pourquoi il a marqué Dafka à ses filles et pas à sa femme? Apparemment ils n'habitaient pas ensemble. Sa femme, lui, elle avait un vrai mikvé, mais étant donné que ses filles, au père de Shmuel, donc c'est les sœurs de Shmuel, elles n'habitaient pas avec leur père, il leur faisait un mikvé en Nissan, parce qu'elles étaient à côté d'un fleuve. Après elles se baignent pas dans le fleuve. Alors là, il faut une petite akdama. Pour devenir tahor, il faut se tremper dans un mikvé. C'est quoi un mikvé? Un mikvé, c'est une piscine qui ne bouge pas. L'eau dans une piscine, elle ne bouge pas. Elle est stagnante. Ça s'appelle BH Boren. Et il faut qu'il y ait 40 serres. Ok? Il y a une autre façon de devenir tahor. C'est Maïm Chaim. Un Mahayan, une source. Là, il n'y a pas besoin de 40 serres. La mer, tu peux faire un mikvé? Attends. La mer, tu peux faire un mikvé. Ça bouge l'eau. La mer, c'est il y a tout dans la mer. C'est le makom de la tare à la mer. Mais moi, je te parle d'un fleuve. D'accord? Le fleuve, c'est pas comme la mer. Parce que la mer, c'est vrai qu'elle bouge, mais finalement, elle reste toujours au même endroit.
Le fleuve, l'eau dans laquelle tu te trempes maintenant, il s'en va. C'est toujours une autre nouvelle eau. C'est comme tu prends une douche. Dans un fleuve, l'eau, elle, hein, c'est un torrent. L'eau, elle te passe dessus. Donc, c'est comme si on t'arrose avec un ruisseau, avec un tuyau. Ok ? D'accord. Donc, pourquoi c'est moutard de se tremper dans un ruisseau ? Parce que c'est un Mahayan. L'eau, elle sort de la terre. Donc, il y a une certaine Tahara. Parce que l'eau, elle est Théora. Ce n'est pas de l'eau que tu as puisée. Mais si l'eau de pluie, elle tombe dans ce ruisseau, alors là, finalement, l'eau de pluie, c'est cachère que quand c'est, ça ne bouge pas. Quand c'est bémigvé. Et donc, ça devient un mikvé pasoul. Parce que le mikvé, pour qu'il soit cachère, il faut qu'il ne bouge pas. Mais là, maintenant, il est dans le ruisseau, donc il bouge. Donc, c'est un mikvé pasoul. Et maintenant qu'il y a plus d'eau de pluie que du ruisseau, alors elles ne peuvent pas se tremper dans le ruisseau. C'est pour ça qu'en Nissan, il leur faisait un mikvé. Parce qu'en Nissan, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute la fonte des neiges, il y a toute la neige qui fond et la pluie de tout l'hiver qui coule dans le ruisseau. Donc il y a plus d'eau de pluie que du Mayan. C'est pour ça que c'est pas saoul. Ok? C'est pour ça qu'il leur a fait un mikvé. Alors on y va. À l'inverse. Pourquoi? Pourquoi il leur faisait un mikvé? Ben pour que un mikvé. C'est tamé l'eau. Hein? C'est tamé l'eau. Non! L'eau, c'est de l'eau de pluie. Elle est kshira, aliot, mikvé. Mais elle n'est pas kshira quand c'est un ruisseau. Donc c'est pour ça que Rach. Alors là, elle dit Avid Léo, mikvé, beyoménissan. Mais ça y est, les rabs, ça vient aider rabs. Dama rab, mitra bema rab. Quand il pleut en Eretz Israël, saada rabba, le grand témoin, c'est quoi? C'est le frat. C'est-à-dire qu'en deux mots, comment on fait pour savoir quand on était en Babel qu'il y a de la pluie en Eretz Israël? Ben tu vois, le frat, il est énorme. Alors, si le frat, il est énorme, ça veut dire qu'il y a eu de la pluie en Eretz Israël. Et il vient jusqu'ici, le fleuve. Tu as compris? Alors, toi, tu demandes, il dit oui, mais le frat, il va de Babel en Eretz Israël. Il n'y a pas d'Israël en Babel. Alors comment se fait qu'on voit la pluie d'Israël? Le Tosfot répond, parce que quand il y a beaucoup de pluie en Israël, le fleuve il changeait de cours. C'est-à-dire qu'il n'allait plus dans un sens, il allait dans l'autre. Donc si tu vois le fleuve qui est dans un autre sens, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pluie dans l'autre. Okay. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc ça veut dire que le père de Shmuel il pensait la même chose. Étant donné qu'il y a l'eau de pluie maintenant qui est tombée dans le fleuve, alors je ne peux plus me tremper dans le fleuve. Ça va, Shelo Yirbu Anotfim Alazochalim. Il pense qu'il ne veut pas que les Notfim, l'eau de pluie, ils soient plus nombreuses que les Ochalim, l'eau du fleuve. Ou plié des Shmuel, donc il est choleg sur Shmuel, son fils. D'Amar Shmuel, Nahara Mikipe Mivrich. Shmuel dit non, le Nahar, il y a beaucoup plus d'eau qui sort de la terre que ceux qui ont de l'eau de pluie. Au plus il y a de l'eau de pluie, au plus il y a d'eau qui sort de la terre. Pourquoi? Parce que d'où ils sortent l'eau de la terre? C'est l'eau de la pluie aussi. C'est-à-dire que l'eau de la pluie, elle rentre dans la terre. Et ensuite, ça crée des nappes phréatiques. De la nappe phréatique, elle sort dans une source. Donc toute l'eau qui sort pour faire un fleuve, ça vient de la pluie. Donc au plus il y a de la pluie, et au plus il y a de l'eau qui sort. Et il y a toujours plus d'eau qui sort que de pluie. Donc il n'y aura jamais un rov d'eau de pluie. Donc c'est pour ça que d'après Shmuel, c'est caché. Et même la Gemara dit, même ça sur Shmuel, c'est caché. Pigé d'idée à l'idée que Shmuel lui-même se contredit. D'amar Shmuel, enamayim et tarim bezochale la prat biometishre bilvad. Shmuel lui-même, apparemment Chazarbo, il était d'accord avec son père, qu'il y a le fleuve qui peut être Métaher, Bezochalim, en coulant, c'est seulement le frat en Tichré. En Tichré, c'est après l'été. Il n'y a pas eu de pluie. Donc on est sûr que toute l'eau qui coule, c'est quoi? Ça vient du fleuve. C'est la source. Donc c'est cachère. Donc on m'achema que d'après Shmuel, quand il y a de l'eau de pluie dedans, c'est pas cachère. Donc il se contredit lui-même. Donc ici, on voit une sougia très intéressante qui. Avoua des Shmuel, il faisait un. Mikvé pour éviter, donc de l'eau qui est stagnée, pour éviter qu'elle se trempe dans le fleuve. Pourquoi? Parce que dans le fleuve, il y avait l'eau de la pluie. Et l'eau de la pluie, c'est possède les Ochalim. Parce que les Ochalim, c'est seulement celle du Mahayan. Alors aussi, il y a une Kushia Tsuma, des Rishonim, qui dit pourquoi on ne dit pas Kama Kama Batil? C'est quoi Kama Kama Batil? C'est qu'imaginons, ouais, il y a par exemple un din qui dit comme ça: si j'ai un verre de vin cachère, et je fais tomber une goutte, deux gouttes, trois gouttes de vin pas cachère. Alors on dit à chaque fois qu'il y a des gouttes qui tombent, kama kama batil. Smith batel. Parce qu'il y a toujours eu plus de cachère que de pas cachère. Alors ici c'est pareil. Imagine j'ai un fleuve qui coule. Il y a de l'eau. Avant que l'eau, la pluie elle tombe, il est cachère le fleuve? Il est cachère. Une fois que la pluie elle tombe, il devient plus cachère. Parce qu'il y a plus d'eau de pluie que d'eau du fleuve. Mais kama kama batil. À chaque fois que l'eau de pluie elle tombe, elle est mise bête, elle est dans le fleuve. Nachon? Alors, ici il y a trois tirutim. Tirut de Tosfot, il dit qu'il y a un gvoul. Même quand on dit kama kama batil, c'est tant qu'il n'y a pas plus. C'est-à-dire normalement, il faut 60 fois plus de éther pour être mévatel à Issour, batel bechichim.
Achon. Kama kama va-t-il va déroger à la règle. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir plus que Shishim. Mais si j'ai plus que le Rov, c'est quand même j'ai plus de Issour que de l'éther, on ne dira pas kama kama va-t-il là-dedans. Alors ici, je vais avoir plus d'eau de pluie que d'eau du fleuve, c'est pour ça qu'on ne pourra pas dire kama kama va-t-il. À un moment, le Issour qui a été mitbatel au début, Choser v'nior, il se réveille, le Issour, et redevient interdit. Tu as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en deux mots, au départ, tu as raison, on dit kama kama batil. Mais à force, à mesure que la pluie, elle tombe, je vais avoir plus d'eau de pluie que d'eau du fleuve. Alors là, vadaïk, on ne dira pas kama kama batil. Zé shitat tosot. Shitat rabbeinu tam, il dit comme ça, que c'est seulement dans l'issour des rabbanan, dans stam yenam par exemple. Il y a une esser, c'est pas il y a une esser, c'est stam yenam. Alors dans l'issour des rabbanan, on pourra dire kama kama batil. Mais pas ici, quand on est dans l'issour de oraita, parce que Behemet des ochalim, c'est. Les Mekshamim, c'est Behemet Pasuk de Oraita. C'est un Pasuk de Oraita pour être Metaer Bezochali. Et enfin, on a un troisième tirout, c'est le Meiri. Le Meiri répond que c'est quand est-ce qu'on dit Kama Kama Batil? Quand c'est quelque chose que tu peux arrêter. C'est quelque chose bidé Adam. Mais ici, la pluie, tu peux pas l'arrêter. Étant donné que la pluie, tu peux pas l'arrêter, alors ça on dira pas Kama Kama Batil. Une autre question très intéressante, celle du Trumat HaDeshen. Alors, comment on fait un Mikveh aujourd'hui? Un Mikveh aujourd'hui, quand tu vas dans les Mikvehot, il y a ce qu'on appelle un haotzar, c'est-à-dire qu'il y a une réserve d'eau de pluie, mais ce n'est pas là-dedans que tu te trempes. On ne se trempe pas dans l'eau de pluie. Pourquoi? Parce qu'on n'en aurait pas assez pour que tout le monde se trempe dans l'eau de pluie. Il faut changer l'eau, il faut la laver. Donc on a un haotzar, et à côté du haotzar, le haotzar on ne le voit même pas, il est derrière le mur, de l'autre côté du mur, là où on se trempe nous, il y a une piscine, qu'on remplit. Normal, avec de l'eau, du robinet. Normalement, ce n'est pas cachère. Le truc, c'est qu'une fois que tu l'as rempli, tu fais Hachaka. C'est quoi Hachaka? Il y a un trou dans le mur qui relie l'eau du Haut-Tsar avec l'eau de ta piscine. Ce qui fait que quand tu te trempes dans ta piscine, tu t'es trempé en fait dans l'Haut-Tsar, parce qu'elles sont reliées. Ça s'appelle Hachaka. C'est-à-dire que les eaux, elles sont reliées. Trouba-t-il des gènes, il demande, je comprends pas. Il n'y a pas plus grand Hachaka qu'ici. Alors quand je me trempe dans le Mikvé, dans le fleuve, même si dans le fleuve j'ai de l'eau de pluie, mais c'est Hachaka. Ça devrait être marchir l'eau du fleuve. De la même manière que quand je me trempe dans ma piscine, du moment où c'est en contact avec l'eau du Haut-Tsar qui est derrière le mur, c'est Kacher. Ah ben là aussi c'est Hachaka, c'est pareil. Tu es couché à Tsuma ou pas le Trumat HaDeshen? Tu entends ma question? Et le Trumat HaDeshen, il y a un Chidush HaTsum. Il y a un Ramban dans Avodah Zarah qui dit un peu comme ça. Le Ramban il demande, est-ce qu'on peut être Mevatel du Éther? Du Issour, on peut être Mevatel. Mais est-ce qu'on peut être Mevatel du Éther? C'est-à-dire qu'en deux mots, j'ai un Éther qui tombe dans plein de Issour. Est-ce que le Éther devient Batel? Le Ramban il dit jamais. Le Éther, l'omit de Batel. On ne peut pas être Mevatel du Éther. Parce que le Éther, tu veux toujours qu'il soit là. Le Issour, tu veux qu'il disparaisse. Le Éther, je veux qu'il reste ici. Si le Éther, je veux qu'il soit mit Kayem, alors il ne sera jamais mit Batel. Comme ça, il dit le Ramban dans Avodah Zarah. Le Trumat HaDeshen, il dit Kenze. Qu'est-ce qu'il est trop intelligent? Il dit, quand j'ai de l'eau du robinet, l'eau du robinet, c'est cachère ou c'est pas soule les mikvés? Pas soule. Pas soule les gamrés. Ah, donc l'eau du robinet qui est pas soule les gamrés, c'est chayar qu'elle soit mitbatelette, entre guillemets, avec la hachaka, au haut-tsar. C'est chayar que Behemet, l'eau du robinet, prenne le din du haut-tsar. Parce que l'eau du robinet n'a pas de din. Elle n'a pas de statut étant donné qu'elle est psoula. C'est du issour. Donc c'est chayar d'être mevatel du issour. Par contre, l'eau de pluie qui tombe dans l'eau du fleuve, elle n'est pas psoula. Cette eau de pluie, c'est bon pour en faire un mikvé, c'est juste que Bezochalim, c'est pas soul. Mais est-ce que l'eau, elle est psoula? Non, l'eau, elle est kshira. L'eau qui est cachère, elle n'est pas mitbatelet, mais achaka. Qu'est-ce qui est mitbatel, mais achaka? C'est seulement quelque chose qui est pas soul. Mais quelque chose qui est cachère ne peut pas être mitbatel. Un peu comme il dit le Ramban dans Avodah Zarah. Hein, c'est pas mal. Allez, on y va. Ah, Marloquet dans les chenilles, est-ce qu'on est possède comme Rav ou Kouchmouel? Est-ce qu'on peut se tremper, mettre dans un fleuve ou pas? Les massés, d'après le Rif, le Ramban, et le Rabbeinu Hananel, il vaut mieux éviter, on est possède comme Rav. Même si Tosot il dit qu'on est possède comme Shmuel, les massés, il vaut mieux éviter. Allez, on y va. Pour Efet à la Even. Donc il y a marqué, elle a le droit d'accrocher une pierre à son écharpe, ouais, pour faire du poids, mais pas à Shabbat. Ve'amred Recha pour Efet, pourtant dans la Recha de la Mishnah, tu me dis qu'elle peut le faire même Shabbat pour Efet. Apparemment, même Shabbat, c'est moutard. C'est moutard de sortir avec dans la rue, mais c'est même moutard pour Efet, de le faire. Pour Efet, c'est le verbe. Donc, Mashma, elle a le droit de le faire. Pourquoi tu me dis que c'est la sourde?
Amarabaye sefa atane matbea. La sefa que j'ai pas le droit de faire, c'est d'afka avec la matbea, la pièce. La pièce, elle est mouktsé. Étant donné que la pièce elle est mouktsé, j'ai pas le droit de l'attacher pendant Shabbat. Oui. Par contre, pour effet qu'on a dit dans la Récha de la Mishnah qu'on a le droit de le faire Shabbat, ça fait que des objets qui sont cachers. Tu peux attacher n'importe quoi à ton béguet, l'homme chané. L'essentiel, c'est que ça fasse du poids. C'est pas obligé que ça soit quelque chose de mouktsé. La Sefa, tu ne dis pas le faire Shabbat, c'est parce que c'est une pièce. Si tu l'as fait Rêve Shabbat, donc la pièce, tu lui as donné un dîne de Héter, comme tu as dit toi. Mais si tu le fais pendant Shabbat, la pièce, elle était mouktsé. Donc tu n'as pas le droit de l'attacher à ton écharpe. Clair? Le problème, c'est la pierre. Qu'est-ce que tu vas faire avec la pierre? La pierre, tu as le droit de l'attacher pendant Shabbat? C'est pareil, c'est mouktsé. Omer Rashi, non, la pierre qui a été miyached Erev Shabbat. Rashi dit, aval even shikta le kar raoui les tiltoul. La pierre qui a été miyached les kar. Ouais, c'était des beaux galets, j'imagine. Pour, on va pas mettre une pierre toute sale à son béguet, des belles petites pierres comme ça. Donc tu sais que ça, tu vas le mettre dans ton écharpe. Alors pourquoi on dit pas la même chose dans la pièce? Et bon, je là, on comprend plus rien. Alors ici, là, la pierre, j'étais mis à Khedere Shabbat, la pièce aussi, tu as été mis à Khedere Shabbat. Maevdel. Alors, il y en a qui veulent dire que la pièce, c'est différent. Si le mec n'a pas été mis à Khedere Shabbat, il y a Choliot que. Et tu l'as pas attaché à Shabbat. Oui? Il y a Choliot que c'est pas bien attaché. Si c'est pas bien attaché, il y a une différence entre la pièce et la pierre. C'est quoi la différence? Tu marches dans la rue avec ton truc qui pend. Ouais. Oublions le problème de mouktsé. Mais tu l'as pas bien, tu l'as attaché pendant Shabbat. Donc si tu l'as attaché pendant Shabbat, tu n'as pas bien attaché. Parce que Shabbat, tu as un autre problème, c'est d'attacher. Donc tu as attaché à peine. Si la pierre, elle tombe, qu'est-ce qui se passe? Tu la laisses, tu ne l'as pas portée. Mais si la pièce, elle tombe. Tu l'as portée, c'est donc c'est pièce. Pour ça qu'on te dit de ne pas le faire Shabbat. T'as compris? Allez, on y va. Baya baye. Isha Amaouch et Teharim Vetifrof à la Egoz. Oh, belle question. Voilà que son fils, il est dehors dans la rue. Il ne veut pas rentrer à la maison. Il fait un caprice. Il veut une Egoz. Maintenant, toi, tu peux lui sortir une Egoz dans la rue? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, Nahon. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tiens, chacham. Tu prends ton béguet et tu fais un nœud au Egoz et tu sors comme ça dans la rue. Alors, on a le droit. On a dit qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat, n'est-ce pas? On a dit qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat, quand c'est un égoz. Non, toi, tu n'as pas fait ça pour que ton béguet soit équilibré. Pourquoi tu as fait ça pour aller donner le égoz à ton fils dans la rue? Tu as fait ça, c'est un peu ta question de tout à l'heure. Tu as fait ça pour sortir le égoz dans la rue. Mais c'est moutard de sortir comme ça. Oui, mais ça s'appelle une arama, c'est une ruse. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu as réussi à sortir une égoz, bederech levisha. Est-ce que tu as le droit de faire ça pour donner à ton fils dans la rue, pour qu'il arrête de pleurer? Maata Omer, moutard ou pas? C'est une ruse. Maouch et Teharim, Vetifrof à la Egoz, les Otsi, Livna, Katan, Beshabbat, pour sortir à son petit garçon dans la rue. Tibaye, les Mandamar, Meharimim, Tibaye, les Mandamar, Meharimim. On va poser la question d'après le Mandamar qui dit qu'on a le droit de ruser, et le Mandamar qui dit qu'on n'a pas le droit de ruser. Il y a une marloquette, Rabbi Yossi, Rabbi Meir, je crois, qu'on verra dans Kol Kidve, Kodesh. Quand il y a un incendie dans une maison, j'ai le droit de mettre 10 manteaux. Pour sauver les manteaux? Est-ce que j'ai le droit de mettre un manteau pour sortir? C'est sûr. J'ai le droit. Et deux manteaux. Et 10 manteaux. Je mets tous les manteaux. Comme ça, au moins, je sors tous les manteaux. C'est moutard oui, ou pas? C'est sur toi, quoi. Si t'as très froid. Mais non, t'as pas très froid. Ouais. Il y a l'incendie, il fait chaud. Tout le monde est d'accord que là, t'as fait ça pour. Les manteaux. Pour les manteaux. C'est une marloquette. Est-ce que t'as le droit de ruser, de faire une arama et de sortir les manteaux un sur l'autre? Ou pas? Il y en a qui pensent que t'as pas le droit. Moi, je pense que oui, parce que... Alors, la Gemara dit, Bémet, ici, on pose la question, aussi bien d'après le Mandamar, Maharimi, qu'on a le droit de faire une Arama, que d'après le Mandamar, que l'eau Maharimi, qu'on n'a pas le droit. On aura le droit de juste sortir un certain nombre d'habits qu'on a le droit, l'habitude de se porter d'habitude. Ok. Pourquoi on pose la question d'après le Mandamar? Tibet, le Mandamar, Maharimi, ça, je pose la question que même d'après le Mandamar qui dit qu'on a le droit de ruser dans l'incendie, pourquoi? Bedleka, Atam, là-bas, oui, on t'a donné le droit de ruser. Dehilo, Charitle, parce que si tu ne permets pas de sauver ses manteaux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éteindre l'incendie. Atelier Rouillet.
Donc étant donné que le gars, il risque de faire un issour, on lui dit vas-y, vas-y, prends tes manteaux, sors, mets-les sur ton dos. Ah bah l'acha, mais si tu ne permets pas de sortir la noix à son fils, tu crois qu'elle va la sortir dans la main? Non. Dans un matzav chérum, où il y a un incendie, alors les hommes, ils font n'importe quoi. Si tu ne lui permets pas de sortir les habits comme ça, il va faire n'importe quoi. Parce que c'est... Il va dire piquoir des fèches, il va dire n'importe quoi. Mais quand tu ne lui permets pas à la femme de sortir la noix à son habit, elle ne va pas la sortir dans sa main. Donc il y a moins de chachach. Donc tout ce qu'on a permis d'être harim là-bas dans l'incendie, c'est de peur qu'il arrive à faire un issur de Raïta ou un issur de Rabbanan. Mais ici, il n'y a pas de trachage, donc ça sera assur. Donc même d'après le mandamark là-bas, Marimi, ici peut-être que ce sera différent, ce sera assur. Inami. Donc, Adalacha, Ilo, Charitle, Lo, Atelia, Fouquet. Ici, la femme ne peut pas sortir la noix. Odilma, l'inverse. Même d'après le mandamark là-bas qui dit que Lo, Marim, je t'interdis de sortir 10 manteaux l'un sur l'autre. Tu sais pourquoi? Parce que finalement, ça ne s'appelle pas que tu portes un manteau. Ça s'appelle que tu portes dans ta main, c'est pareil. C'est derech levisha. Et derech otsa bekar. C'est comme ça qu'on sort les manteaux. On sort les manteaux quand quelqu'un il a un magasin. Il veut sortir tous les manteaux d'un coup. Il a pas assez de bras. Qu'est-ce qu'il fait? Il les met sur lui. Donc c'est derech otsa bekar. Donc là-bas, tu sais pourquoi je te demande de pas ruser? Parce qu'il y a chaleur, tu peux arriver à un isondoraita de porter un manteau. Mais ici, quoi qu'il arrive, de porter une noix dans ses habits, ça s'appelle kleacharyad bechinoy. Quoi qu'il arrive, tu n'arriveras jamais à un isondoraita. Donc peut-être que d'après le mandamar là-bas, en marimin, ici sera mouta. Odima afilo mandamar en marimin, bedleka atam, derech otsa bekar. Là-bas c'est derech otsa bekar et donc ce sera peut-être assur parce que c'est derech otsa bekar. Avalacha, en derech otsa bekar. Mais ici c'est pas derech otsa, tu as accroché une noix à ton écharpe et c'est klacharan machapir damé. Donc peut-être que ça sera moutar. Tekou l'agma répond pas les massés. Les rishonim répondent que c'est moutar. On est possède la koula. Parce que Béhémet, quoi qu'il arrive, ça sera qu'il a Achariad. Et donc, on aura le droit de faire une arama pareille, de sortir une noix pour aller donner au bébé dans la rue. Incroyable, hein? Allez, Michel, on verra ça demain, vous attachez.